السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع حضركم أستاذكم في هذا الموديول Fondement du Management de Projet، الأستاذ إيدير موسي. يعني أنا متشرف نكون معكم في هذا الموديول، يعني حنتطرق للموديول اللي اسمه Fondement du Management de Projet. الموديول حيكون باللغة الفرنسية. إن شاء الله كلكم بخير، وإن شاء الله نتطرق على يعني introduction، une introduction على الموديول، وال يعني les points principaux du module. Donc là, nous allons parler de la gestion de projet, première partie. Donc, pour commencer, nous allons commencer par une introduction, bien évidemment, concernant la gestion de projet. On va voir les différentes théories, les différents concepts qui existent, et nous allons aussi voir différentes définitions qui vont nous permettre de comprendre ce qu'est un projet, et ensuite, par la suite, nous allons parler de sa gestion. Alors, nous allons continuer à travers les objectifs du cours. Donc, évidemment, il y a des objectifs bien clairs pour notre module. Alors, premièrement, un des principaux objectifs, c'est de comprendre les différentes composantes du management et la gestion de projet. Donc, quels sont les composants, quels sont les components en anglais, les AE, yani project. Le deuxième point, c'est pouvoir mettre en œuvre les techniques, méthodes et outils pour préparer un projet ou avant-projet. Il y a fait un مشروع. ما هي التقنيات؟ ما هي الوسائل؟ ما هي الطرق؟ يعني باش نبداو project. OK؟ وثالثا, le dernier point, savoir mettre en place les moyens pour piloter la réalisation d'un projet. Voilà. يعني هادو هما التلت نقاط فيما يخص لي زوبجيكتيف تاع المقرر تاعنا وتاع لو كور دوجوردي. Alors, en ce qui concerne donc l'organisation du module, يعني كيف الموديول منظم, on va voir ça à travers les différents chapitres. Donc, premièrement, nous avons introduction, concept et définition, qui sera le but de cette séance d'aujourd'hui. يعني الأول لقاء معنا اللي هو اليوم إن شاء الله حنديرو introduction, يعني تعريف وتمهيد للموديول. Le deuxième point, organisation et phase de projet. يعني هنا نتطرق على كيف البروجكت منظم وما هي steps اللي فيه. Troisièmement, nous allons parler de structuration de projet. Quatrièmement, on parlera de planification de projet. كيف يعني تبدا يعني تحاول تبدا مشروع. Cinquièmement, suivi de projet et maîtrise des coûts. Sixièmement, maîtrise des risques. يعني كلنا نعلم بأنه أي مشروع فيه percentage تاع risk. يعني وكيف يعني on minimise l'impact de ces risques. Finalement, واخيرا, qualité projet. يعني هنا نطرق على la qualité اللي هي مهمة جدا جدا. Voilà. Introduction, bien sûr. التمهيد. Qu'est-ce que la gestion de projet? Alors, la gestion de projet, c'est du bon sens, c'est de la logique, ça se travaille. Le bon sens, c'est une qualité que beaucoup de gens ont, et il y a des gens qui n'ont pas le bon sens. Mais il se trouve que c'est une qualité essentielle afin de mener un projet à son terme d'une manière efficace. De l'expérience aussi, donc de l'expérience, il y a le khibra, yani, لازم لك التجربة والخبرة وهذه تأتي مع الوقت مع السنين مع التجربة etc. des connaissances يعني يلزم لك معلومات
لازم تتطرق وتقرا وتحاول في الموديول ولا في الجيستيون دو بروجي. دونك دي كونيسونس il en faut un peu quand même. يعني لازم لك تخصص كذلك. Alors, retour sur votre expérience. Description du dernier projet auquel vous avez participé. يعني احنا كلنا نتطرقوا لي projects. البروجيكت يقدر يكون في مجال العمل، في مجال خاص، ولكن يعني في حياتنا اليومية فيه projects. Expliquer ce qui a bien fonctionné et mal fonctionné. يعني لما تتطرق إلى أي project أو عمل فيه أشياء تمشي كويس وفيه أشياء ما مشات يعني مليح وممكن لنا ربما نغيروها. Que feriez-vous pour améliorer cette expérience? يعني هنا ما هي الأشياء التي يمكن maybe نعملها ربما نعملها في الـ future لتفادي هذه الأخطاء. Ici, on va parler de l'origine des défauts. يعني الأخطاء أي تكلمنا أي مشروع فيه أخطاء. احنا نتكلموا على الأوريجينز يعني منين جاءوا الأخطاء. يعني نعطيكم معلومة. 82% des entreprises françaises n'ont pas de processus post-mortem, d'évaluation des causes d'échec et de leur projet. Ça veut dire que 82%, yani percentage كبير جدا. 82% من الشركات الفرنسية ما عندهم process post-mortem. حاب يقول من بعد لما تنتهي من البروجكت تاعك وتشوف هل مشى مليح ولا فيه أخطاء، يعني بعد نهاية البروجكت وما يسموه البوست مورتم ايفالواسيون دي كوز ديشيك دو لو بروجي. يعني الشركات الفرنسية ما عندها بكل بساطة معظمهم ما عندهم بروسيس باش يشوف الى البروجكت مشى كويس او لا. Dans ce slide, on va parler des définitions. يعني تعريفات تاع ما هو project. Un projet. Donc définition projet. On a quelques définitions, effectivement. Donc une intention, souvent floue, dont la réalisation sera lointaine. Exemple, projet de voyage. يعني لما تسافر, ربما عندك الفكرة والرغبة باش تسافر. ولكن ما فيه شيء واجد ولا منظم ولا مسطر. Deuxième point, une étude préparatoire, première rédaction d'un texte qui va être soumis à décision, projet de loi, projet d'urbanisme. لما هنا يعني ممكن ناخذ المثال يعني الجوفرمنت لما يعمل عنده مشروع كل شيء يكون مسطر وعندهم يعني منهجية يعملوا عليها وكل شيء. Troisième point, tout ce par quoi l'homme tente à modifier le monde ou lui-même dans un sens donné. Quatrième point, un projet est un effort ponctuel et coordonné pour atteindre un objectif unique, incluant une dose d'incertitude quant à sa réalisation. Donc, ce qu'on dit ici, c'est qu'un projet est un effort avec un objectif unique. La seule chose, c'est que on ne peut pas être sûr à 100% de sa réalisation ou alors de la qualité de sa réalisation. Exemple de projet, évidemment, nous avons tous en tête des exemples de projet. Ça peut être construire une maison, acheter un bien, acheter une voiture, acheter une bague à sa femme. Tout simplement, où est-ce que je vais aller déjeuner aujourd'hui? Yani, كل هذه الأشياء مجرد avec les exemples de projets. Donc, vous avez sûrement déjà piloté et géré des projets dans votre vie, sans vous en rendre compte. Alors, on pense souvent au contexte professionnel. يعني, لما تتطرق المشروع, معظم الأحيان نفكر على مشروع في مجال الشغل, يعني professional. ولكن يعني فيه شيء آخر. Project يقدر يكون في حياتنا الخاصة في أي وقت. بعض الـ examples هنا
Alors, construction ou rénovation d'une maison ou encore déménagement. Yani, lma tbni bayt jadid, hada yani mashrou'. Préparation de vos prochaines vacances. Tahab temchi holiday ou trier le makan li trouh lou, hada tanik mashrou'. Création d'un site internet. Organisation d'un événement. Création d'entreprise. Création d'un nouveau produit ou d'un nouveau service. Alors, tous ces points-là ou tous ces exemples-là sont en fait des projets. Et comme on peut le voir, ils peuvent être divers et variés. Yani, quels sont les facteurs favorables à l'émergence d'un projet? يعني فيه فاكتورز او اشياء اللي تخلينا اللي تخلي المشروع تاعنا يكون يمشي كويس. Alors des facteurs favorables, on a le projet au centre, c'est le plus important bien sûr puisqu'on parle de management de projet en tant que thème. Alors le projet, alors on a comme vous pouvez le voir cinq facteurs: le désir, la technique, la politique, l'existentiel et l'imaginaire. Donc, ces facteurs-là sont tous très importants afin de mener à bien un projet ou alors à démarrer un projet. Donc, l'imaginaire, c'est une idée au tout début. Le désir, forcément, c'est avoir le désir de faire quelque chose, avoir le désir d'accomplir quelque chose. Je veux aller en vacances, par exemple. La technique, c'est quels sont les outils qu'on va utiliser, quelle est la méthode, quelle est la méthodologie, quelle est la vision qu'on a afin de mener à bien notre projet. Ensuite, on a le politique et on a aussi l'existentiel. Bien évidemment, les cinq fondements de la gestion de projet sont expliqués plus en détail ici. Donc le désir pour s'engager dans une démarche projet, il faut en avoir envie tout simplement. Et cette envie, elle est partagée par le plus grand nombre. Si possible, par la totalité des personnes qui sont impliquées. وكل واحد في الـ يعني في الـ في الـ في المجموعة يكون يعني يكون راضي على المشروع. Alors, le politique, c'est la nécessaire dimension stratégique. يعني هنا نطرق على الاستراتيجية وعلى الفيجن. Donc, c'est l'espace de prise de décision, de choix, d'arbitrage. Pardon. Le technique, le savoir-faire est une des dimensions indispensables à la réussite d'une démarche de changement. Celle-ci peut rendre nécessaire des adaptations, l'acquisition de nouveaux savoir-faire en cours de conduite du projet. Là, il y a le tarak, le technique, il y a le techniat, le khibra, les choses que nous savons, nous avons appris à le faire et à marcher bien. Et comment nous apprenons des skills autres باش يعني المشروع يكون ممتاز وكويس. L'existentiel, le projet de changement peut être une condition de survie. يعني في بعض الأحيان المشاريع تكون مفروضة علينا. يعني ما عندك choice. وأخيرا, dernièrement, l'imaginaire, donc la création, le projet implique de se projeter dans un futur rêvé auquel aspirent les acteurs du projet. أخيرا, يعني l'imaginaire, حاب يقول الأحلام تاعنا والأشياء اللي نحب نحققها في حياتنا يعني وهذه يعني يمكن تساهم فينا باش نتطرقوا لفعل هذا المشروع. On va parler de trois éléments qui sont essentiels, les trois éléments les plus essentiels lorsqu'on parle d'un projet. Alors, nous avons l'appellation triangle, comme vous le voyez ici, donc un triangle. Alors, les trois éléments qui sont qualité,
délais et coûts. Chaque projet, qu'il soit grand ou petit, qu'il soit personnel ou professionnel, dépend de ces trois principales ou principaux éléments. Nous sommes toujours sur le même slide, triangle, qualité, coût, délai. Donc ici, il s'agit de trouver la bonne combinaison entre ces trois variables. Donc, les délais, les coûts, la qualité. Il faut trouver la bonne balance, le bon équilibre. Donc coût du projet, accroissement de la qualité, durée de projet. Si les délais sont trop longs, ce n'est pas bon parce que vous n'allez pas délivrer le projet à temps, ça vous coûtera plus d'argent, peut-être que la qualité sera là. Si les coûts sont plus importants que ce qui a été défini à la base, donc là, vous aurez d'autres problématiques. Si la qualité aussi est moindre que ce que l'on s'attend, le projet ne peut pas être délivré, par exemple. Alors, d'autres définitions pour projet. Donc, d'après le AF Nord et AFITP, donc le AF Nord, c'est AF Nord, c'est l'association française de normalisation. Et l'AFITP, c'est l'association francophone de management de projet. Alors, quelques définitions. Un projet correspond à la situation dans laquelle on se trouve quand on doit atteindre un objectif déterminé avec des moyens adaptés. Des moyens adaptés, par exemple, hommes, matériel, budget alloué au projet, et tout cela dans un délai déterminé. C'est très important lorsqu'on parle d'un projet, évidemment, quelles sont les caractéristiques d'un projet? Quelles sont les choses ou quels sont les éléments qui font qu'un projet existe? Alors, on va faire une petite introduction. Donc, un projet comporte des caractéristiques spécifiques et même à la réalisation d'un produit ou d'un service convenu dans un contexte précis. Donc, en d'autres termes, un projet a certaines caractéristiques et l'objectif est d'arriver à réaliser donc ce que l'on souhaite, qu'il s'agisse d'un produit ou d'un service, ou alors dans un autre contexte, comme on a dit, ça peut être dans un cadre professionnel, personnel. Alors, les projets ont des buts et objectifs clairement définis, exposés pour produire des résultats clairement définis. Donc, un projet doit avoir des objectifs bien tracés, bien clairs. Et le but, ne l'oublions pas, très très important, est de résoudre un problème. Prenez un petit exemple. Donc, l'invention du téléphone, c'est afin qu'on puisse, relier les gens, afin que les gens puissent communiquer entre eux. Si vous vous souvenez, 200 ans en arrière, 150 ans en arrière, il n'y avait pas de téléphone. Et du coup, les gens, pour communiquer, pour savoir comment ils allaient, ils devraient faire des milliers de kilomètres. Après, forcément, on pouvait faire ça par poste, envoyer des lettres. Mais le téléphone, en fait, résout le problème de la communication. Voilà. Ce qui implique une analyse préalable des besoins. Donc, besoin de communiquer. Problème, il n'y a pas moyen technique et du coup, on a inventé le téléphone en tant que solution pour résoudre ce problème. Donc, suggérant une ou plusieurs solutions, il vise un changement social durable. Là, on va continuer avec les caractéristiques d'un projet. Donc, les caractéristiques qu'on a, c'est caractère d'unicité, durée limitée, objectif novation. Alors, on va parler de caractère d'unicité. Donc, le produit ou le service d'un projet est unique ou a un caractère d'unicité. Donc, chaque produit est unique. Le projet n'est jamais la reproduction à l'identique de ce qui existe déjà ou qui a déjà été fait. Donc, un nouveau projet, même si on a déjà vu ou alors compléter un projet qui est similaire, mais un projet est toujours différent parce qu'il y a des caractéristiques différentes, des données différentes. Donc, caractère d'unicité, durée limitée. Donc, les projets sont limités dans le temps et dans l'espace. Forcément, il faut une deadline, il faut une timeline, comme on dit en anglais. Donc, il possède un début, un début et une fin et se déroule dans un lieu et un contexte spécifique. Un projet est un ensemble d'activités organisé en phases ou en étapes,
en formant l'unité de gestion permettant la réalisation d'un objectif défini et précis. Objectif, donc chaque projet doit comporter des objectifs clairement définis qui permettent la satisfaction d'un besoin. Donc chaque projet a un objectif quantifié ou spécifié sous forme de caractéristiques formalisant le besoin d'un client identifié dans le cadre d'une mission clairement définie. Novation, une autre caractéristique, les projets sont une aventure en soi. Chaque projet est différent et novateur. Yani, كل مشروع راح يكون متغير من 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 الاخر لانه الكاركتيرستيك نتاعو متغير. Il implique forcément une certaine incertitude et des risques. Une autre caractéristique, l'incertitude. Donc chaque projet implique forcément une certaine incertitude et des risques. يعني اي مشروع فيه نقاط ما هي كلير ما راهي باينه يعني وفيه percentage تاع ريسك. Dans tout projet, il y a une part d'incertitude liée au caractère unitaire, mais aussi à l'environnement extérieur, qui peut être difficile à appréhender. هنا يعني ممكن تكون عوامل خارجية على المشروع وممكن تأثر عليه بطريقة سلبية طبعا. Alors, on fait toujours l'amalgame, c'est-à-dire il est important de faire donc la différence entre un projet et un programme. Donc, un projet n'est pas la même chose qu'un programme. Alors, le projet, les caractéristiques, donc il est non répétitif. Comme on a dit, un projet toujours différent. Temporaire, décision irréversible, يعني لما تاخذ decision ما تقدر تولي يعني تولي you go back. Forte incertitude, هنا ما تكون يعني واثق بالكيف النتيجة تكون. Influence de variable externe, كما قلنا يعني ممكن أشياء من ال من الـ outside يعني أشياء خارجية ممكن تأثر على المشروع بصفة إيجابية أو سلبية. processus nouveau يعني كل مشروع هو جديد في من جهة الـ process. consomme des ressources يعني أي مشروع يعني محتاج إلى resources يعني إلى 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 فلوس إلى إلى ناس إلى Alors, le programme, pour faire la différence entre les deux, donc le programme, il est répétitif et reproductif. Yani, programme, yani, chez it out, ou, yani, le matin, le programme, l'an, ou programme, akhar, raden, mungkin ikonu, exactly, yani, the same, permanent et durable, décision réversible. يعني لما تاخذ قرارات في المشروع تاعك ممكن تولي للور يعني يو جو باك وتغير اشياء وشفنا لو بروجي المشروع ما تقدر تعمل هذه الاشياء. فابل انسيرتيتود يعني لو بروغرام البرنامج الانسيرتيتود فابل بيقول انت يعني وي نو الريزولت يكون نفسه. انفلونس فورت دو فاريابل انترن هنا الشيء المتغير مع البروجي يعني المشروع ان العوامل الخارجيه لا تغير البروجرام ولكن هي العوامل الداخليه اللي ممكن تغير البروجرام. بروسيسوس كونتينيو Et finalement, Akhiran génère des ressources. Comme on a bien expliqué, donc un projet n'est pas un programme. Un programme, c'est ce qui est écrit à l'avance. Un programme est constitué d'une suite d'actions que l'on se propose d'accomplir pour arriver à un résultat. Un programme est un ensemble de conditions à remplir dans l'exécution d'un travail. Un programme est un ensemble ordonné et formalisé
d'opérations nécessaires et suffisantes pour obtenir un résultat. Dernier slide, on va parler de chef de projet, une appellation assez commune. يعني المشروع فيه أناس تمانج المشروع. هنا كما نشوفوا يعني كما on peut voir donc on a le quoi et le comment. يعني من وكيف. Le quoi c'est tous les aspects non techniques du projet. Et le comment c'est tous les aspects techniques du projet. يعني فيه أشياء عوامل تقنية. اللي هما الكيف. وفيه عوامل ما هي تقنية اللي هي what يعني quoi. Alors chef de projet maîtrise d'ouvrage et chef de projet maîtrise d'œuvre. Alors nous allons voir tout ça en plus ample détail durant notre prochaine séance. يعني نطرق إلى details آخرين في حصتنا المقبلة إن شاء الله. يعني اليوم كانت مجرد تمهيد و introduction au module management de projet. وإن شاء الله تكونوا استفدتوا اليوم ونلقاكم بإذن الله في الحصة القابلة إن شاء الله. السلام عليكم.